Et salut tout le monde, c'est Jack9. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'une nouvelle offre avec Honor cette fois-ci qui vous permettra d'obtenir un tout nouveau site. Voilà, une nouvelle fois, Fortnite s'est associé à une marque de téléphone après Samsung. Il s'agit cette fois-ci d'Honor. Honor pour leur tout nouveau téléphone, le Honor View 20. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. Voilà, je vous fais juste une vidéo d'information pour vous dire comment obtenir ce skin et justement comment ce skin sera. Voilà, il sera bel et bien disponible qu'avec l'Honor View 20, qui est leur tout dernier téléphone qui sort apparemment dans quelques jours. Ce téléphone est quand même assez onéreux vu que le premier prix sera de 549€ pour la version 128Go et 649€ pour la version 256Go. En tout cas, c'est vrai que ça va coûter encore cher si on veut ce skin. Ça coûtera toujours moins cher qu'un Samsung Galaxy. Mais honnêtement, je trouve que le Samsung Galaxy était quand même un peu plus stylé au niveau du skin. Comment ça va se passer pour débloquer le skin? Tout d'abord, voici le skin. Voilà, si vous ne l'aviez pas bien vu. Ce skin, à la différence de celui Galaxy, il ne faudra pas juste faire quelques parties sur le téléphone pour le débloquer. Ça va être un tout petit peu plus long. Vu qu'il faudra dans un premier temps télécharger Fortnite sur le téléphone. Donc voilà, sur le Honor View 20. Jouer une partie ou deux. Juste que le jeu comprenne que vous êtes connecté via le Honor avec votre compte, etc. Une fois cela fait, vous vous rendrez sur le site partenaire de l'offre. Donc voilà, normalement il y aura un site Honor spécial pour cela. Je vous mettrai le lien en description quand il sera révélé ou du moins actualisé. Vous entrerez alors le numéro de série de votre téléphone ou apparemment les derniers caractères du numéro de série, ce qui vous permettra justement entre guillemets de référencer votre téléphone. On doit souvent faire cela par exemple pour les garanties au niveau des cartes graphiques, etc. Voilà, c'est souvent pour activer le produit et qu'on ait la garantie constructeur. Je pense que c'est un peu le cas en même temps là pour le Honor, mais bon, vous vous intéressez pas spécialement à cela. Vous entrez votre numéro de série et normalement là, Honor vous délivrera un code. On ne sait pas encore s'il y aura du délai pour la réception du code, mais voilà, en tout cas normalement vous obtiendrez un code. Ce code, il faudra l'entrer sur le site cette fois-ci de Fortnite, et tout comme un code pour avoir un spray, pour avoir les skins Nvidia ou autre, ce code vous permettra de débloquer le skin une fois que vous vous connecterez au jeu. C'est pareil même que le pack avec le rapace de glace, justement, où quand on achète en magasin en boîte, bah par exemple on a un petit code qu'on doit rentrer après sur le site Epic Games, et bah là c'est exactement la même chose. Vous entrez ce code sur le site Epic Games et normalement le skin sera débloqué quand vous vous connecterez. Apparemment il n'est pas question d'avoir de pioche, sac à dos ou autre, il s'agit vraiment que du skin. Le skin est carrément un reskin d'un ancien skin qu'on avait eu dans la boutique, voilà les motards blancs, je pense que vous en rappelez tous. C'est un peu dommage, donc on peut estimer sa rareté normalement à bleu. Voilà, bon il coûtera pas 1200 V-Bucks, hein, résultat vu qu'il sera disponible dans l'offre, mais normalement ce sera un skin rare. C'est un peu dommage, honnêtement, je trouve que ce soit juste une texture qui change comme ça, mais bon. Ok, de toute façon, c'est pas nous qui décidons, mais pour un téléphone quand même à 600€, 550€, je pense qu'ils auraient quand même pu faire en sorte de mettre au moins quelques petits accessoires avec. Tout comme l'a fait, par exemple, le pack Nvidia, voilà, où la carte graphique coûtait même moins cher, vu qu'au minimum, c'était 300€. Bon, c'est quand même cher, mais bon. Voilà, on avait quand même un planeur, des V-Bucks en plus, etc. Et apparemment, là, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, en tout cas, toutes les informations à propos du skin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Jack9, et sur ce, à plus. Tout le monde. Big Mac, Patty Whack. Oh, where my kitty cat give a dog a bone? How many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I can make this show strong. Soon as you hear this, boom. From ATLANTAN all the way down to yo. Bro.